Talachot, Chazak Baruch Rabotai, Chodesh Tov Mevorach, Besorot Tovot. On est le 30 aujourd'hui dans le mois de Nissan. Ce soir, on va finir avec le bélier et on va passer au taureau. C'est nous, hein, on a grandi un petit peu, mais attendez, on n'est pas encore arrivé au but. Le mois prochain, si Dieu veut, le mois de Sivan, là, on va devenir des êtres humains déjà, les Gémeaux, comme ça on dit. Mais pour cela, chers amis, tous les jours, vous avez remarqué, on avance. On est aujourd'hui dans la 15e marche du conte du Homer. Il y a 400 ans, un peu plus, hein, dans l'année 1620, est décédé aujourd'hui Rabbi Chaim Vital, le Maharal, le grand élève du Harizal, que grâce à lui, tout ce qu'on a aujourd'hui comme profondeur de la Torah est lié à lui. Donc comme c'est sa journée d'Aïloula, on va partager une base très très connue qui va nous permettre de comprendre pourquoi tout ce qui est les traits de caractère qu'on est en train de réparer pour monter hein, des béliers, devenir un être humain. Pourquoi ce n'est pas marqué dans la Torah? Est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère? Non. Est-ce que c'est marqué dans la Torah que c'est une mitzvah gedola d'être joyeux? Non, c'est Rabbi Nachman de Breslev qui dit cette phrase. Bien sûr, c'est marqué dans la Torah, c'est pas bien d'être pas joyeux, mais il n'y a aucun devoir d'être joyeux. Rabbi Chaim Vital répond que quand tu vas acheter un appartement, dans les plans de l'appartement, tu vois les fondations ou pas? Non, quelqu'un il s'est intéressé une fois, quand il achète même un immeuble, est-ce que les fondations, jusqu'à quel mètre ils sont? Ils sont jamais sur les plans, les fondations. Mais sans eux, l'immeuble ou l'appartement, il ne tient pas. Chers amis, les fondations, il dit Rabbi Chaim Vital, avant les mitzvot, avant les 613 commandements et devoirs qu'on a à faire, c'est quoi? C'est les traits de caractère. Et il dit Rabbi Chaim Vital, c'est plus important de réparer les traits de caractère et d'avoir des bonnes fondations que commencer tout de suite à construire et à apprendre et il faut faire comme ça. Si on apprend comment faire les 613 mitzvot, mais les fondations, ils sont tordues, on va arriver à la tour de Pise, chers amis. Alors, pour bien comprendre aujourd'hui la 15e marche, regardez bien, on est rentré dans la 3e semaine. On a fini 2 semaines du Homer, on a fini la bonté et on a fini la rigueur. On est rentré dans la dose des deux. Ça s'appelle en hébreu Tiferet. Je crois qu'en français, harmonie, harmonie, quelque chose comme ça. Mais ça veut dire pour nous, et voilà la petite métaphore personnelle. On l'a raconté une ou deux fois. Il y a quelqu'un, un très grand donateur, il donnait à tout le monde de quoi faire Shabbat. Et hein, quelqu'un, il arrive, il dit, c'est toi le grand donateur, tu peux me donner pour Shabbat? Tiens, 150 shekels. Le monsieur regarde le billet, dit, c'est ça, vous, on dit que vous avez une bonté infinie. Il a dit, heureusement que ma bonté, elle a aussi un peu de rigueur. Parce qu'il y a 5 minutes, il y a quelqu'un qui est venu. J'allais le donner même ces 50-là, mais heureusement que j'ai eu un peu de rigueur. J'ai freiné ces 50. Pour toi, ça s'appelle quoi ça? Tiferet, c'est la mélange des deux. Aujourd'hui, on est dans la bonté de Tiferet. C'est quoi la bonté? On pouvait continuer, il pouvait le dire, maintenant tu ne mérites même pas les 50, non? Malgré ce qu'il a dit la personne en face de lui, il a donné quand même, avec tout le cœur, ça s'appelle Chesed Sheba Tiferet. Chaque jour, si on comprend ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital, et on apprend à réparer les traits de caractère, avant même de commencer à faire les devoirs, qui que ce soit sur les comptes des autres, des fois on écrase une personne pour faire une bonne mitzvah, ça ne sert à rien, chers amis. On termine avec ce qu'il disait, je crois que c'est le Rav de Karlin, un grand Admor, il y a 100 et quelques années. Il disait comme ça, c'est vrai que dans la Torah, ce n'est pas marqué que c'est péché d'être triste. Vous savez pourquoi? Parce que la tristesse, elle est encore plus grave que tous les péchés. Ah, et pourquoi ce n'est pas marqué, ça ne fait pas partie des 613 mitzvot d'être joyeux? Parce que la joie, elle est encore plus haut que tous les 613 mitzvot. Si on arrive à faire ça, la joie est mélangée quand il faut, la bonté, la rigueur, arriver à la dose parfaite et réparer notre trait de caractère, et bien là, chers amis, même la tour de Pise, elle devient droit. Chodesh Tov, Besorot Tovot. Amar Rabbi Elazar.